en apprenant la grossesse de sa fille Meghan Markle, Doria Raglan a eu des mots très touchants. Meghan Markle est enceinte. À 37 ans, l'épouse du prince Harry attend son tout premier enfant. L'annonce a été faite par le palais de Kensington le lundi 15 octobre, dans un communiqué officiel relayé sur les réseaux sociaux. Un heureux événement qui est prévu pour le printemps 2019. À l'annonce de la bonne nouvelle, des fans du monde entier ont manifesté leur joie sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'annonce du Royal Baby était très attendue, 5 mois après que Meghan Markle et le prince Harry se soient mariés au château de Windsor. Mais s'il y a bien une personne qui s'est particulièrement réjouie en apprenant la bonne nouvelle, c'est la mère de Meghan Markle, Doria Raglan. La mère de la duchesse de Sussex a déclaré auprès du palais de Kensington qu'elle était très heureuse à la découverte de cette adorable nouvelle. Doria Raglan a ajouté qu'elle avait hâte d'accueillir son premier petit-enfant. Très proche de sa fille unique Meghan Markle, la sexagénaire californienne l'a élevée seule, suite à son divorce avec Thomas Markle. Par ailleurs, le palais de Kensington n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'éventuelle réaction de Thomas Markle à l'annonce de l'heureux événement. Grand-mère et nounou? Selon les tabloïds britanniques, Doria Raglan devrait prochainement s'installer au Royaume-Uni pour être au plus près de Meghan Markle. Ainsi, la future grand-mère pourra assister sa fille tout au long de sa grossesse. Doria Raglan aurait d'ores et déjà assisté à plusieurs classes prénatales dans un établissement spécialisé, à Pasadena, en Californie, selon les informations du Daily Mail. En plus d'être la grand-mère du Royal Baby, il y a de grandes chances pour que Doria Raglan en soit également la nounou. Contrairement à sa belle-sœur Kate Middleton, Meghan Markle préférerait ne pas avoir à engager de personnel. L'idée que sa mère vienne s'installer avec eux et joue le rôle de la nourrice est la meilleure solution possible, avait déclaré un proche de la famille au Daily Star.